Bonjour, Benoît Le Saint-Cernin, je suis très content de vous rencontrer ici au Salon Sofins. Bon, ouais. D'abord, c'est quoi le Salon Sofins? Ben, c'est le salon des équipementiers, des forces spéciales, des unités spéciales, le GIGN et le RAID pour la France, et des services de renseignement. Alors, on parle quand même d'un salon international. Oui. J'ai entendu dire quand même qu'il y a aussi beaucoup de délégations. C'est important pour vous aussi de présenter toute cette technologie à l'étranger aussi? En fait, ce sont les délégations qui sont candidates. C'est-à-dire que nous les invitons, mais nous avons cette année 44 délégations parce qu'elles veulent avoir le même matériel que les Français. Donc, lorsque l'invitation part, la réponse positive est en général assez rapide parce qu'elles ont envie de voir ce que nous, Cercle de l'Arbalète, on a trouvé. Alors justement, vous parlez du Cercle de l'Arbalète. C'est quoi le Cercle de l'Arbalète? Quel est son travail ici au sein du Sofins? Alors, en fait, le Cercle de l'Arbalète, c'est la fédération des équipementiers, des forces spéciales et des unités spéciales. Et notre job, c'est de fédérer des entreprises pour améliorer l'équipement qui est donné aux forces spéciales ou aux unités spéciales. Donc c'est une fédération d'entreprises dont je suis le président. Et en fait, cette fédération, elle est l'organisatrice du Sofins. D'accord. Alors on sait aujourd'hui que les forces spéciales, c'est un moyen important pour toutes les unités militaires, pour les forces armées, dans le cadre d'opérations très spéciales. Et aujourd'hui, il y a un besoin de matériel, de haute technologie, de points pour ces unités. Oui, en fait, ça vient de leur mission. C'est-à-dire que la mission de ces gens-là, c'est de faire des coups ponctuels à l'étranger, de faire des coups qui ne laissent pas de traces, ils vont vite, ils vont faire une action et ils reviennent. Donc ils peuvent avoir automatiquement un équipement qui est cohérent avec cette mission qui a un mode opératoire particulier. Par exemple, un gros char n'est pas utilisé dans les forces spéciales. C'est trop lourd, c'est trop bruyant, ça laisse trop de traces. Donc oui, ils ont un équipement particulier et le Sofins, c'est l'endroit où ils viennent faire leur marché. Alors ici, on voit un petit tableau en fait, du nombre d'exposants qu'il y a sur le Sofins. Alors, dites-moi un petit peu quel genre de société on peut trouver sur le Sofins. Alors en fait, dans le cadre du Sofins, vous avez la totalité de ce qui peut constituer l'équipement du combattant. Aussi bien ses tenues vestimentaires, donc ça va des chaussures aux vêtements connectés et autres, que son équipement, c'est-à-dire les protections balistiques, les armements, les systèmes d'écoute, les systèmes de communication, les munitions, enfin tout ce qui va faire la vie du combattant, vous pouvez le trouver au Sofins. Ça représente combien d'exposants, plus ou moins? Alors il y a une grosse sélection, parce que nous on cherche à avoir le meilleur, donc on est autour de 250 exposants, entre 250 et 255. Mais vous attendez combien de visiteurs, de délégations? Alors en délégation, je crois qu'elles sont 44, en visiteurs, le chiffre monte encore, donc on est autour de 3 500-4 000, oui. Alors voilà, c'est une petite opportunité, voilà. On peut visiter ce salon Sofins. Absolument. Là, on voit différentes choses, on voit des missiles, on voit des drones, et aussi des grands noms, on voit des sociétés comme MBDA. Mais MBDA est partenaire, est un membre du Cercle de l'Arbalète, puisque c'est une grande partie des équipements des forces spéciales qu'ils utilisent en opération, bien sûr. Alors voilà, typiquement, ça c'est aussi un outil qui est fortement utilisé ces derniers temps, aussi par les forces spéciales, les drones, c'est quelque chose d'important aussi pour la... En fait, c'est même un axe très important de développement, et du Sofins, et du Cercle de l'Arbalète, c'est ce qu'on va appeler la dronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le drone permet de protéger la vie du combattant en l'exposant moins, il est moins près de la zone de risque. Donc je vais envoyer un drone pour aller voir s'il y a quelqu'un dans la pièce, pour faire toute une série de missions. Donc oui, c'est un axe très important de développement dans le cadre du Sofins et du Cercle. Alors autre chose, puisqu'on parle des drones, on a évidemment les moyens de détruire un drone, ou en tout cas de le neutraliser. C'est le bouclier, c'est l'épée. Là, vous avez, on va dire, le bouclier qui est là pour... arrêter les drones. Et en fait, c'est aussi vital puisque malheureusement, les terroristes sont aussi équipés de drones. Donc, il n'y a pas que nous, on va dire les gentils qui sommes équipés. Vous avez également les terroristes. Donc, il est nécessaire qu'on ait ces équipements-là aussi. Alors, on voit aussi qu'il y a beaucoup de moyens de communication aussi pour les forces spéciales. On voit la société ILNO qui spécialise justement dans les communications. On voit aussi différents types d'équipements, que ce soit de l'armement léger, des casques. Tout ça, c'est important aussi, l'équipement individuel du combattant. Ah bah c'est vital. C'est vital. En plus, tous les théâtres ne sont pas les mêmes. Vous avez des théâtres à très forte chaleur pour eux. Il y a des théâtres qui sont
plus froid, donc c'est pas le même équipement en fonction de l'endroit où vous êtes et c'est pas forcément le même équipement en fonction de la mission qu'ils ont à tenir. Mais ça, les opérateurs du COS vous l'expliqueraient très bien, pourquoi ils ont besoin de différents équipements. Ok, très bien. On va un peu avancer encore pour vous faire découvrir ce salon. Qu'est-ce que vous pourriez encore dire sur la particularité de ce salon ? Alors, la vraie particularité de Sofins, à la différence des autres salons, c'est que ce que vous voyez ici dans la tente, vous pouvez aller l'essayer dehors. À la différence des autres grands salons, qui souvent sont des salons statiques, parce qu'ils ne sont pas, comme nous, et ça a été un choix, sur un camp d'effort spécial. Nous, on est ici dans un camp d'effort spécial, donc vous pouvez aller tirer, vous pouvez aller faire du 4x4, vous pouvez aller faire voler un drone, vous pouvez véritablement utiliser, tester le matériel que l'exposant propose. Ça, c'est notre grande force. Alors, une chose très importante pour vous, c'est le savoir-faire français. Si j'ai bien compris, vous voulez aussi démontrer que la France, l'industrie française est capable d'offrir des technologies et surtout spécialement dédiées aux forces spéciales. Alors, ce n'est pas que je cherche à le démontrer, c'est que je cherche à le susciter. C'est-à-dire que nous, notre job au CERC, c'est d'aller voir l'industrie française et de leur dire « Vous ignorez que ce que vous faites pourrait aider les forces spéciales ou le GIGN ou le REN. » C'est ça notre moteur. Et effectivement, on a une préférence française. Et cette année, ça a été une nouveauté du fait de l'engagement de la France au Mali et de la force Takuba ou d'autres pays européens en rejoint. Nous avons ouvert à des étrangers des pays de Takuba. C'est une première. Mais lorsqu'il n'y a pas la compétence en France, on ouvre à des étrangers. Aujourd'hui, la France n'a plus d'armement individuel, donc c'est de l'armement individuel étranger, celui qui utilise les forces spéciales. Très bien. Alors effectivement, on continue de voir dans ce salon, on a des grands noms comme Safran, Saab, il y a quand même quelques étrangers quand même. Oui. Ah oui, tout à fait. On n'est pas fermé à l'étranger. Encore une fois, si j'ai une solution française, je vais privilégier la solution française. Mais parfois, la solution étrangère peut être peut-être plus en avance que la solution française, donc c'est la solution étrangère qui sera présente. Est-ce que vous voulez rester aussi un salon très de niche, très petit, sans devenir un salon international ou agrandir ? Je pense qu'on est presque trop grand aujourd'hui. Ah bon ? En fait, on a la chance sur le plan physique d'être contraint par le lieu, donc on ne va pas augmenter la surface d'exposition. Ce qui va augmenter certainement, c'est la sélection des entreprises présentes, parce qu'on a beaucoup de candidats et on a un nombre de places limité. Mais on est un salon très réduit puisque l'objectif, c'est que les opérateurs des forces spéciales ou du GIGN, etc., aient le temps de dialoguer avec les exposants. Donc oui, ce n'est pas un salon ouvert au public. Oui, on n'y vient pas en famille. C'est un vrai salon professionnel pour les gens de cette profession. Alors, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu le résumé de la journée ? On sait qu'il y a aussi des conférences, il y a des démonstrations. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui d'important ? En fait, le mot Sofins, ça se termine par un S du mot séminaire, enfin séminaire en anglais. Au Sofins, il y a aussi des moments de travail, il y a des conférences sur des thématiques qui intéressent les forces spéciales. Et pour ces thématiques-là, ils font venir des intervenants et ils travaillent véritablement. Donc aujourd'hui, il s'est passé une journée normale, c'est-à-dire des conférences, des tests grandeur nature, des démonstrations d'industriels. Ça, c'est aussi une de nos particularités, c'est que les industriels démontrent des capacités aux forces spéciales. Et donc là, les forces spéciales sont les spectatrices. Et on aura dans le salon une démonstration des forces spéciales où là, c'est nous, industriels, qui sommes spectateurs. Quand est-ce que se déroulera cette démonstration, justement, parce que là, on est un peu dans le flou? Alors, elle se déroulera jeudi 1er, de midi à midi et demi ou de midi à midi 40. Et c'est une démonstration des capacités actuelles des forces spéciales. Et ils le démontrent à leurs partenaires et invités étrangers. Parce qu'une des grandes nouveautés du Sofins cette année, c'est que le CERC a annoncé le lancement d'une filiale pour faire de la formation aux forces spéciales étrangères qui le demandent. Et donc, le concept, c'est que nous n'allons avoir au sein de cette structure-là que des anciens des forces spéciales françaises. C'est-à-dire que c'est véritablement un concept. Il n'y aura dans les instructeurs que des anciens des forces spéciales françaises. Pourquoi ? Parce qu'il y a en fait une très forte demande des étrangers. Et lorsqu'il y a une démonstration comme celle que les forces spéciales vont voir jeudi, on peut s'attendre à ce qu'ils nous disent « Mais moi, cette capacité, je ne la maîtrise pas. Est-ce que vous pouvez me former à ça ? Je prends l'aérocordage, je prends l'évacuation par la nacelle, tout ça. » Peut-être qu'ils ne le maîtrisent pas, peut-être qu'ils ont envie de formation. Demain, le cercle de l'Arbalète, avec cette filiale, sera en capacité de pouvoir le faire. On a vu aussi aujourd'hui quelques démonstrations dynamiques. C'est important aussi de pouvoir démontrer ce matériel par les industriels.
Bah, c'est la chance qu'ils ont au Sofit. C'est-à-dire que ça reste pas virtuel, c'est pas une image que je vous montre sur un écran, c'est véritablement une démonstration. Venez tester mon drone, venez tester ma voiture, venez tester mon arme, mon optique, ma jumelle de vision nocturne. Donc c'est vraiment la force de ce salon-là. Et encore une fois, le cercle de l'arbalète est l'organisateur, mais l'origine de ça, c'est le commandement des opérations spéciales français qui est à l'origine de tout ça en ayant créé en 2013 le SOFINS et qui a donné naissance au cercle de l'arbalète. Très bien, merci beaucoup. Et puis on attend chaque jour un petit débrief des activités du SOFINS. Très bien, merci beaucoup.